Bonjour, je suis Franck Crouzet, je suis directeur de Process 3D. Les télépilotes font des clichés aériens de bâtiments, de terrains, de toutes sortes de choses. Et ensuite, moi, je les restitue en trois dimensions, genre nuage de points, orthophoto ou modèle 3D. J'ai fait pas mal de travaux publics au début de ma carrière et ensuite j'ai navigué vers un cabinet de géomètre. Et donc là, j'ai vu que toutes ces données étaient, on va dire, pas perdues, mais stockées alors qu'il y en avait besoin sur le terrain. Donc l'application AirPipe nous permet de visualiser les réseaux souterrains en réalité augmentée via la spatialisation des données reprises sur le terrain par les géomètres, les entreprises de bâtiments, de travaux publics. Ça va nous permettre de visualiser directement les réseaux avec la précision attendue. Principalement ici, c'est la réalité augmentée qui vraiment est devenue quelque chose d'assez simple à mettre en place. N'importe quel téléphone maintenant fait des mesures réalité augmentée. Couplé à cette réalité augmentée, ce qui est important, c'est la position centimétrique. De plus en plus, des appareils de ce type, la Leica, se développent pour avoir une position centimétrique le plus souvent sur le terrain, d'avoir quelque chose d'assez léger qui corresponde aussi au système Android embarqué. Ah, si on savait, on regarderait le sol un peu autrement, c'est sûr. C'est très encombré et puis de plus en plus, les villes s'étendent, les réseaux se modernisent, se changent et ne sont pas vraiment aussi remplacés au cas par cas. C'est quelque chose qui va être très utile à AirPipe dans les années à venir.